Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour m'avoir avec nous dans l'émission Panouan qui parle autre que mon éditorial avec Yannick. Ou sous TAC 509, tout haïtien connecté, plateforme d'information qui est là pour chercher bonnes informations, pour qu'il soit informé, pour être connecté à tout petit détail qui a dominé l'actualité. Si vous pouvez abonner, m'a invité à abonner, activer la cloche de notification et par-dessus tout, pas oublier, partager la vidéo pour aider le travail à avancer. Bon, mes amis, nouvelle en pile. Gen un moment là, des séries de gros nègres dans le secteur privé, dans le secteur économique là, qui commencent à rele en mouille. Monsieur, pas capable encore, vous commencez à sentir douleur et insécurité. C'est le cas, par exemple, de mettre Hôtel Montana qui fait une vidéo pour partager préoccupations gagnées sous question insécurité. Monsieur a même lié qui joue, qui gagne dans la semaine, puisque on n'y a pas fonctionné dans Montana, hôtel pas fonctionné, restaurant pas fonctionné, c'est seulement briché, bris oiseau, l'étendé, pas de rien cap fonctionné. Nous prenons le partage de vidéo, on a profité pour nous faire quelques petits commentaires avec vous, parce que question sécurité dans le pays, li doit priorité, toute autorité, li doit priorité, gouvernement, qui doit agir rapide, pressé, pressé, venir avec des politiques publiques pour permettre à ce que chaque citoyen circule librement, circule librement dans le pays pour aller à quelle activité. Eh bien, j'en vois là, c'est presque pas le cas pour pouvoir rien là, pour gouvernement rien là, qui là, n'est pas joué privilège, mais pas réglé, yon merde. N'a pas continué. Après que des CPJ, fin publié yon vidéo côté que yon présenté yon rapport sous dossier trafic d'armes qui concerne l'église épiscopale d'Haïti, eh bien, il y a plusieurs parlementaires dans le pays États-Unis qui réagissent sous dossier d'armes qui rentré en Haïti. Yon allé plus loin, yon décidé de poser quelques questions à l'État américain qui, selon le dernier rapport Nations Unies, mettait de l'eau, près de 90% d'âmes qui a alimenté gang en Haïti, sont droit direct dans le pays Tonton Sam. Hier lundi, officiellement, Marie-Isabelle Salvador li prend tête binu. Dans le moment où on a parlé à là, c'est Madame Salvador qui a coordonné, qui a agencé tout ça qui vient pour elle avec décision, travail que BINU a gagné pour faire en Haïti avec différents acteurs, différents groupes, pouvoir à Ariel Henry, membres de société civile, acteurs politiques, pour y arriver à jouer une entente qui a permettre pour nous jouer une stabilité en dedans payant. Toute information ça va quand pilote c'est dans vidéo hein? Et dans espace libre opinion pour aujourd'hui là invitez nous c'est monsieur Clarence Renoir qui c'est coordonnateur parti Union. Nous allons parler avec lui sur conjoncture pays hein? Nous allons parler avec lui sur des propositions de sortie de crise pour nous arriver à comprendre plus bien manque de volonté ça qui anime acteurs qui pas jamais qu'arriver mettre ni sécurité ni joindre une entente ni joindre ni abouti avec un consensus vraiment large côté que tout acteur yo ka transcende ti intérêt mesquin yo pour un intérêt pays avant tout. Nous allons parler sur tout point ça parce que li extrêmement important pour nous continuer avec débat ça yo pour aider ou même qui a regardé vidéo ou même qui sont haïtiens qui t'a remé ouais stabilité qui t'a remé rejoindre sécurité en dedans pays pour comprendre exactement qui enjeu qui gagnait leur gagner des séries de nègres qui occupaient des fonctions en dedans l'état mais vraiment préoccupation yo intérêt personnel yo c'est ça qui priorité pour yo mais c'est pas arrivé mettre stabilité et sécurité en dedans la république. J'en t'ai annoncé dans le commencement de la vidéo. Eh bien, dans le moment où on a parlé à là, on n'y a pas marché en dedans pays. On n'y a pas marché et nous sommes conscients. Véritable problème nous avons là actuellement, c'est le problème de sécurité. Sécurité li empoisonné tout bagaille net. Pas de sécurité. Ou pas qu'à voir petit tout l'école, ou pas qu'à aller faire activité, pas de loisirs. Moun ki gen activité économique qui a réglé en dedans pays ya. Et presque tout moun sa yo sou route pour yo faire mes business yo gen sou route pour faire faillite parce que pa gen sécurité l'état
pas gérer en rien qui gagne pour avec sécurité tantôt gagner et des promesses qu'a fait qu'a sorti par bon côté pouvoir là par bon côté gouvernement comme quoi la police avec l'armée yo pral mettre tête yo ensemble yo pral mettre force yo ensemble pour yo ba une réponse avec gang yo pour yo ba une réponse avec activité criminelle qu'a fait et pourtant c'est des promesses en l'air c'est comme quoi dire nèg yo ouais tellement bagay la vin grave tellement bagay la senti du nan men yo yo obligé anticiper ba nou parole pour yo fèn dormi ba nou parole pour yo fèn pour yo calmer nou pour yo descendre tension nou et pourtant gang ap kidnappé moun chaque jour insécurité a avalé terrain chaque jour pi plus près de 60% nan espace géographique nan capitale lan nan département l'ouest en près de 60% dans l'espace géographique, c'est gang qui contrôle, c'est bandit qui contrôle. Et si m'ta reprendre mot mini justice, c'est des territoires perdus, c'est des territoires perdus parce que on côté l'état pas arrivé contrôler, on côté la police pas arrivé intervenu, des séries de zones côté que bandit a fait exaction, bandit a terrorisé population, a touillé, a kidnappé, a violé femme actifi, la police pas ka vini pour intervenu, pour stopper, pour arrêter, pour démanteler gang, c'est et bien entendu c'est des territoires perdus. Alors ce que constitution pas connaît et il y a question division de territoire. Haïti son territoire indivisible. Donc là, m'ta reme konnen ki explication ki sa réellement moun yo tande comprendre le dit c'est des territoires perdus. Est-ce que yo décidé réellement pour yo quitter zone ça pour yo quitter espace ça nan men bandi, nan men gang? Parce que jounen jodi an la, principale préoccupation chaque grand haïtien c'est sécurité. Qui les autorités a privé rétablir sécurité en dedans pays? Et bien par rapport avec situation ça mes amis, m'pral faire nous garder en vidéo. Côté que secteur privé, des séries de gros entrepreneurs, des séries de gros businessmen, des séries de monde qui investissent des millions de dollars pour mettre camper des entreprises en Haïti. Et puis, ou pralwe par la suite, comment investissement là, comment la gagoter, comment la dépafini, comment on sous route pour faire faillite, parce que nous avons paquet incompétent, nous avons paquet monde qui fait preuve de mauvaise foi, qui pas montre une bonne volonté pour agir réellement, pour ba une réponse avec problème que nous gen là. Donc, qui ça veut nous comprendre par-dessus tout? Question sécurité dans le pays, il doit priorité autorité, il doit priorité l'État. Tout pays qui a fonctionné, c'est bonne foi qui gagne par bon côté acteur, c'est bonne foi qui gagne par bon côté autorité, qui fait que yo arrive à une solution avec un problème quelconque. Mais en Haïti, on a gardé, c'est seulement problème, yo. C'est problème, n'a pas compté, c'est des comptes problèmes seulement à fait. Finalement, obligé de poser cette question. Ou obligé à poser tête aux questions pour dire oh et bien moi ça qui là qui ça va venir faire qui ça va régler qui ça va venir régler réellement. Donc li pas obligé tant que Canada États-Unis sanctionner des séries de monde qui gagne pouvoir avec des séries de monsieur dame dans secteur non élite économique là qui gagne pouvoir disons avec financer gang etc. Mais tout le monde dans secteur économique là pas dans financer gang, tout le monde dans secteur politique là pas dans financer gang, tout le monde dans société civile là pas dans financer gang, gagne qui pas bon mais comme ça tout gagne qui a fait effort pour ouais leur mettre gars pour entreprise qui ça le cabaille comme rendement qui ça le cabaille comme profit. Et on nous garder ensemble là cette vidéo ça on va gagner plus de détails sur ça, sur comment des séries de investisseurs comment se sentir par rapport avec problème de sécurité que Haïti gagne là. Je ne sais même plus si c'est dimanche, lundi, mardi, mercredi, je ne sais même pas quelle journée de la semaine hiver. Tellement c'est triste. Rien ne bouge dans Port-au-Prince qui est à mes pieds. Rien ne bouge dans Port-au-Prince qui est à mes pieds. Seulement un chien qui est en train de japper. Seulement un chien. Mais pas de chat. Voici. Pas de chat. Voici l'hôtel. Voici le restaurant de l'hôtel. Pas un chat. Pas un client. Même pas pour acheter un café. Pas un client, même pas pour prendre une bière.
même pas un client pour consommer un repas. Il n'y a que moi assis autour du bar avec les serveurs à tenter une petite jasette, à tenter une petite conversation. Mais ils sont quoi? Ils ne parlent plus, ils ne voient pas. Yo bébé, yo bébé. Regardez ça, regardez ça. Voici un mercredi soir, vide, 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 complètement vide pour votre édification. Mais il y a Port-au-Prince qui est là, à nos pieds. Port-au-Prince est là, à nos pieds. Regardez-moi ce bel spectacle de Port-au-Prince. On ne peut même pas profiter. On ne peut même pas profiter de ce beau spectacle. On ne peut même pas profiter. Oh là là, quelle affaire! Quelle affaire, quelle affaire! Quelle affaire, quelle affaire, quelle affaire! Quelle affaire! Regardez le bord de mer. Tous les bords de mer sont supposés avoir beaucoup d'activités bouillantes de personnes. Bouillant. Il n'y a plus de bicentenaire. Fini, 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 fini. Bon, nous tendez nous, ouais. Là, on pose des questions. Lorsqu'il y a des bagages, il y a pas. Gen moun konnen ka pri. Gen moun konnen ki pral chèche tout argument possible pou yo bay, pou yo di sa ka passe lè dan peyi an, oui, gen complicité secteur privé a, kounye a jwenn mon pièce et cetera. Konnen gen tout qualité argument ka vin sou table. Mais ça qui essentiel c'est que jounen jodi an, puisque pa gen sécurité an dedan peyi an, nou gen peyi kap effondré. Nous avons un pays qui en faillite. Nous avons un pays en yé pas réglé la dedans. L'autre, par exemple, le cas de Hôtel Montana. Hôtel Montana, il n'y a pas qu'un employé là dedans. Des séries de monde qui a travaillé, des séries de monde qui ont un petit job dans le qui a au moins subvenir avec besoin, qui a payé au cas, qui a répondu avec problème manger, qui a payé l'école pour petit tu, etc. Parce que vous avez espoir, vous travaillez. Mais qu'on y a cause pas de sécurité en dedans pays hein? En pile moun qui te pays hein, ça calé aller. En pile moun peut sortir pour yo pas kidnapper yo. En pile l'autre moun tout yo obligé pas ka sortir pour aller vaquer activité yo parce que côté yo tap travail là mettre li fermer la cause insécurité, li jeté pied l'aller. Qu'on y a on garder réalité hein, c'est que puisque pas de sécurité dans le pays, tout bagay paralysé. Gros entreprise paralysé, petit business paralysé, moun pas ka fonctionner en dedans pays, moun ki gen l'argent obligé courir quitter pays à investir en l'autre côté parce que ou non pays pas de sécurité, c'est faillite ou fait. Ouvri business, moun ki gen l'argent ouvri business. Yo ouvri business dans l'idée pour yo gen pour yo faire profit. Pour yon jouen koba ou tout, mais yon ouvron business pour yon bay service avec une communauté. Pour yon desservir une communauté. Pour yon bon clientèle qui vient pour service, qui vient acheter, etc. Mais ou même qui client kounye a, le fait que l'État pa garanti sécurité ou pa kal travail, sou sorti ap kidnap sou sorti ou risque pour un bal marron, sou sorti ou kapatoune la kayo, ou pa pren risque. Ou pas qu'à travail, pas de cop qui rentre. Ou rentre dans le pays, ou sort, y a kidnappé. Donc, automatiquement, tout reste bagaille vient paralysé. Nèg qui gen gros entreprise, li pas qu'à jeune client parce que ou même qui sont ses clients potentiels, ou pas qu'à vaquer avec activité gang empêche ou prendre la rue, l'État pas fait rien pour le contrecarrer gang, pour le contrecarrer bandit. Donc, à tous les coups, insécurité, li gen impact sur tout le monde. A occupé aucun monde gabdou ou que des séries de nègres qui ont fonctionné chaque jour, qui ont fonctionné chaque jour, mais clientèle la pas besoin même non. Si nègres là c'est qu'on vend, là t'es activité normale, t'es une sécurité bagaille pas de comme ça. Nègres là c'est qu'on vend par exemple pour 100 000 dollars américains par jour. Qu'on y a à cause de sécurité ça qui vient là. En pile moun, en pile fournisseur, des séries de moun, des séries de clients potentiels clients qu'on vient prendre service là caillou. Yo allez, on quitte Haïti allez. Entreprise yon ferme, magasin yon ferme, etc. De série de moun ki get si kob yon, pap kal mbral badelma, mbral le nan kebodo pres, mbral di mbral achete bagay nan me moun, jamais.
Moun sa ou te kon vwenn pou 100,000 dollars avant, kounye yap desen nan 50, yap desen nan 40, yap desen nan 30, jusqu'à ce qu'on moment privé, même moun sa ou yap pouen nécessité pou yo ferme bizisyon pou aller, plus chômage. Plus chômage, donc question insécurité, hein, problème de sécurité. Hein. Si l'État, si Ariel a gouvernement, si France LB, si ça nous gagne là comme embryon là, mais responsable au commandement là, mais yon pas décidé de mettre tête ensemble le plus rapidement possible. Pour yon pour ton réponse, m'a nous garanti. Dans 2 ans, dans 3 ans, si pays a été comme ça, son pays en faillite la pied. Son pays en faillite, côté que tout le monde pral obligé. Bon, ça nous pas ta souhaité. Ou n'y a moun yon pral obligé trouver yon situation côté que non seulement c'est tête yon après. Mais moun ki pou kontrol, on te maintenant grand, ou te maintenant mise, on te maintenant soya. Li pa même envie partager avec ou parce que ça gagne, li gen madame, li gen petite, li gen l'autre moun sous compte, li sous responsabilité. Nous déjà nos situations côté chaque coup éclairé pour géo, chaque coup éclairé pour géo, kou nya si yo pa pote autorité, yo pa pote on réponse avec crise qui gen là, c'est sûr que li évident dans 2-3 ans bagay yo pi mal. Est-ce que c'est ça nous? Est-ce que nous souhaiter, nous espérer descendre pi bas? Parce que côté nous y est là, on pas quoi que gien pi bas toujours. On pas quoi gien pi bas, l'Europe vive dans une société côté que on moun mouri, on cadavre té a chien commencer manger et puis tout moun a passé comme si de rien n'était. Moun nan machine a passé camper garder longe tête garder. Moun nan pral mené petite li l'école, li parker, li kembe meti moun nan y a passé sous cadavre la té a chien commencer à manger. Yo pas même prend la peine pour ta voyon un drap sous lit. La mairie pas même prend la peine pour ta lever quoi et bien qui côté pour nous arriver encore. Donc gardez qui sa sécurité y est dans le pays. Sécurité c'est moteur, c'est l'huile, c'est gaz, c'est essence même, c'est l'eau pour boire rien, c'est sa sécurité en dans tout pays qui a fonctionné. Sécurité au pays, c'est pas question de mitaille. C'est pas question chapelle politique, acquaintance politique, on est glacé bataille avec souterrain, fait transition pour y en mettre le ministère intérieur, fait ceci, fait cela. Non. Pas de bagay comme ça. Vrai leader, moun ka pense pays, vrai dirigeant, moun bon chef d'état, yo, moun ka pense sécurité, moun ka pense et protection territoire, moun ka pense souveraineté nationale, gon jan yo fèl, yo choisi moun ki compétent, moun ki capable, moun ki valable, c'est pas sous base zanmi tay. Si nan prend exemple, chef Homeland Security Alexandre Marcos. Ou pral dim et on son moun ki fait Cuba mais oui ils sont américains. OK, mais si ou regardez par exemple relation diplomatique entre Cuba avec États-Unis, t'a pral di li pa gen place pour qui ça c'est lui même etc. Son moun ki capable, son moun ki gen aptitude, ki gen connaissance, ki gen expertise, son moun oui gon question de confiance, yo fait confiance pour yo bali et gérer question de sécurité intérieure, mais son moun ki fait preuve li. Son vous comprendre journée jodi an en tant qu'haïtien. En tout cas, ici, n'importe quoi, ou qu'on fait valeur, c'est pas être une chance, c'est pas être une option. Je ne j'en dis qui ça qui objectif ou. Je ne j'en dis qui ça qui priorité ou. En plus, fois, nous même haïtiens, n'importe côté nous aller, premier bagaille pour dire des haïtiens, haïtiens dans bagaille sale, haïtiens dans bagaille wrong, haïtiens dans corruption, haïtiens dans fait ceci, haïtiens dans fait cela. Bon paquet haïtiens aux États-Unis qui a fait bon bagaille, oui. L'autre Karine Jean-Pierre. L'autre Karine Jean-Pierre qui se porte parole Maison Blanche. Nous te content de te battre bravo. Vous pas que haïtien, États-Unis, Canada, en France, Caprio, c'est image pays. Mais je ne dis pas là. Ce n'est pas 2-3 haïtiens, non? Ce n'est pas 2-3 haïtiens qui sont à l'extérieur pays qui veulent venir pour te coûter dans la question de sécurité en Haïti. Qui ont expertise, qui ont capacité, qui ont valeur. Sous prétexte que, oh, il y a l'autre nationalité, il y a ceci, il y a cela. L'État ferme porte sur yo, autorité ferme porte sur yo, alors que moun sa yo, yo gen expertise dans des domaines bien précis qui te ka aide là dans sécurité. C'est pas 2-3 vétérans qui fait guerre Iran, Irak, etc. dans l'armée américaine qui t'a besoin venir là, venir ba expertise yo avec l'armée. Qui t'a besoin venir là, venir ba expertise yo dans PNH. Oh, nèg yo dit non, yo pas recevoir, yo pas besoin yo. Et pourtant, yo pas prendre l'on merde là. Yo pa prègle anyen. Au lieu to insécurité, to criminalité, to violence là, li ta baissé, c'est augmenter, l'augmenter. Au lieu ou ta senti que bon bagay ka fait ki fait bandi yo senti, pas continuer, pas avancer non. Au contraire, opération tornade 1, tornade là, nèg yo a fait goudou goudou par l'autre bord.
Nèg yo c'est plus crime, nèg yo c'est plus drame, c'est plus exaction y a fait dans la population. Donc vous pensez que ça nous gen là comme institution, ça nous gen là comme autorité, j'en nèg yo crase institution la police, j'en nèg yo montre yo pas gen bonne foi pour yo résoudre problème sécurité. Nous pensez que bandi yo senti yo senti yo inconfortable, bandi yo pas inconfortable. Au contraire, nous senti que nèg yo nous senti que bandi yo, nous senti que criminel yo ti la pli nan mos san jou ite l'homme yo, nous senti yo confortable nan position yo. Et si yo pas confortable, chaque jour pa tap ka gen guerre de territoire, pa tap ka gen guerre de gang. Et silence ki gen ba bon côté autorité yo, yo sa vle di an pile bagay. Li vle di sa vle di an. Moun ap mouri, moun ap kite kayo, haïtien tout nan refuge nan pòp peyi yo, tout kote pase y a des déplacés etc. Eh bien jounen jodi an, c'est qui réponse pour l'État à bral baye? C'est qui réponse transition à bral baye? Bon, toujours dans le dossier insécurité, hein, nous connaissons le scandale qui était impliqué l'Église épiscopale d'Haïti, scandale qui était impliqué et Père Franz Kol, qui était impliqué différents autres responsables en dedans l'Église épiscopale d'Haïti. Et hier, DCPJ publié une vidéo côté que. Yo a parlé de évolution qui gagne dans enquête là, yo partagé un rapport sur travail que bureau affaires criminelles a fait en dedans dossier ci là. Et bien dans même dossier trafic d'armes, il y a plusieurs parlementaires aux États-Unis, gagne député New York là, Gregory Mix, gagne sénateur Durbin Dick avec député Castro. Yo profite de l'occasion pour yo questionner l'État américain, pour yo questionner le gouvernement américain. Côté dans dernier rapport Nations Unies te mette dehors, gagné près de 90% d'armes qui a alimenté violence criminelle en dedans pays, qui a alimenté gang yo sorti dans pays États-Unis. Donc, véritable question dans moment là pour même comme haïtien, même qui a regardé vidéo à proposer tête tout. Pour qui ça? Pendant que Mexique décide d'intenter une action en justice contre pays États-Unis. Gagne des pays membres CARICOM, tant que Jamaïque, qui décide eux-mêmes, yo supporter démarche Mexique a fait pour demander États-Unis suspendre voyez am la kayli à l'alimenter gang pour demander États-Unis réparer yo de tout dégâts zam américain fait la kayo. Et puis au pays tant que Haïti côté que 90% zam cap alimenter gang cap alimenter violence criminelle en dedans pays sorti katoton sam. Et puis gouvernement pas dit rien. Gouvernement Ariel Henry pas supporter des massacres que Mexique fait. Là on déjà comprendre. Depuis ces bagages qui gagne la justice là-dedans, premier ministre Ariel Henry pas rentré sur les États-Unis. Gros dossier qui pendant là pas bon côté États-Unis. Dossier assassinat président Jovenel Moïse, il est évident que premier ministre Ariel Henry il va aller en question ça papa. Il va en question pour la fourrer colle dans zinc pas zèle et puis soit dans des bagages là retourner contre lui. Soit dans des là FBI commence à faire petit rapport sur lui et puis boum et boile prend dans moule là dans bagaille ça et dossier trafic d'armes en Haïti en oui Nations Unies a toujours sorti rapport et ONU DC a toujours sorti rapport mais lui-même Haïti depuis c'est Ariel qui n'en tête lui après dans limite F2X yo pa gen pour yo ni pour yo supporter yo pa gen pour yo ni parti prenante yo pa gen pour yo faire rien donc Là encore, oui, ça sont preuves de mauvaise foi. On preuve flagrante de mauvaise foi. Comment fait un dossier aussi sensible comme ça? Côté que Mexique, qui c'est pays voisin, États-Unis, voisin, oui, il décide de faire action la justice contre États-Unis parce que un paquet d'armes de fabrication américaine qui a rentré la caille, qui a joué un bandit, qui a joué une gang, qui a joué un groupe qui a fait affrontement chaque jour, mon a mouru. Et puis nous-mêmes, qui a quelques heures, côté chaque jour, bon Dieu mettait, Zam a rentré, que était à travers l'église épiscopale, que était à travers l'autre entrepreneur qui est pas privé, etc. Que était à travers les couloirs filiales parlementaires, les bandits, puis les jeunes âmes. Et puis nous pas fait rien.
Nous pas fait rien et puis journée jodi an là, gen militants, partisans, sympathisants qui vle pour prendre pouvoir ça au sérieux. Moi personnellement, pas ka prendre au sérieux. Parce que yo montré chaque jour plus yo montré yo pas gen aucune velléité, yo pas gen bonne foi pour résoudre rien qui gen pour avec question sécurité ni stabilité pays. Donc, nous ka continuer mourir, nous ka continuer victime en babal bandi. Bandi ka continuer à appauvrir nous, mais ça pas concerné Ariel ni pouvoir. Donc c'est vous même qui pour décider, c'est vous même qui pour décider comme haïtien est-ce qu'on continuer vivre dans situation que bandi ou a imposé là, ou bien ou a décider un bon matin pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous faire main dans la main, pour nous bailler monsieur ça en réponse, parce que pas qu'en aucun pays sous la terre béni un citoyen mérité pour la vie jan haïtien vie jodi an la. Pour na vivre, j'en a vivre là côté que autorité yo pa ba nou régler rien pour yo. Ça li pa possible. Li pa possible et toujours nan l'idée côté que international là yo vle montrer yo gen bonne volonté, yo vle montrer yo gen bonne foi pour aider peuple haïtien, pour aider Haïti sortir nan crise et nan impasse là. Nous songe il y a un mois de cela, Binu te annoncé fin mandat madame Lalime. Eh bien, dans le moment où on a parlé à la, depuis hier lundi, officiellement, Maria Isabel Salvador li prend tête Binu. C'est lui-même qui a dirigé mission intégrée Nations Unies en Haïti. Donc, Madame Salvador li gon long parcours. Li gen près de 25 ans d'expérience en matière de gestion de conseil de politique et de diplomatie. Et m'espérer que toute année d'expérience ça, li pral utiliser. Il pral utiliser de manière positive, il pral utiliser de manière concrète en Haïti pour aider joindre résolution crise vraiment. C'est pas vienne imposer, c'est pas vienne prendre décision en place nous, c'est pas vienne prendre décision en place autorité yo et nous espérons tout autorité yo y'a lever scope figure. Y'a lever scope figure parce que si nous pas gain autorité qu'a penser pour pays, ça nous gain là c'est pour poche y'a penser. C'est li tout à fait normal, moun kap bay l'argent yo c'est eux même qui impose ça pour faire. Li tout normal, moun kap bo l'argent, moun kap mette l'argent dans poche ou dans bolou, c'est lui même kap impose comment pour vivre, qui action doit faire, qui action pas doit faire. Donc si nous voulons changer pays, si nous voulons changer scope figi nous, c'est au moins mettre moun valable dans cette institution, yo mettre moun qui compétent, mettre moun qui connaît, c'est connecté, pas qu'on est pas fait. Et pour nous continuer avec le débat, pour nous continuer avec les problèmes n'a confronté là, pour nous continuer exposer problèmes et arriver chercher des éléments de solution, nous allons passer rapide vite dans l'espace libre opinion. J'aime déjà annoncer lui inviter nous pour aujourd'hui dans l'espace libre opinion, c'est monsieur Clarence Renoir, coordonnateur du parti Union nationale pour l'intégration et la réconciliation unie. Avec lui, nous allons parler problèmes pays, nous allons regarder conjoncture pays. Est-ce que c'est pas bon moment pour tout haïtien mettre tête ensemble, pour acteur mettre tête ensemble pour y arriver joindre une solution, une sortie de crise avec un problème pays. Monsieur Renoir, m'a dit merci pour disponibilité, bienvenue dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. Oui, bonjour madame Dorsey, c'est un plaisir pour moi de répondre à l'invitation et pour me participer dans l'émission là. Et c'est vraiment un réel plaisir pour moi pour la question. Monsieur Renoir, en tant que leader politique, acteur politique et normalement là payant la n'a fait face avec une crise et politique sans précédent. Vide constitutionnel, vide institutionnel, pas de président, pas de parlement. Nous une situation d'exception, si nous avons dit le comme ça, si nous avons considéré le comme ça. Ou même personnellement, en tant que leader politique, ce qui analyse ou fait de situation, ou même personnellement, unir, comment nous comprenons la crise qui a traversé ces pays en un moment-là? Bon, comme on dit, Yannick, son crise qui n'a pas de précédent. C'est-à-dire dans l'histoire, nous l'avons gardé, son peuple qui passe en pile crise de colonisation qui mène à l'indépendance, là, on a capable de dire loin de nous en tant que fait historique, mais ce qui nous parle dans le monde moderne,
Non, et crise que la traversée journée jusqu'à là, il va de pareil et sous plusieurs aspects, on a capable dit. Et nous gardons ça avec un peu de préoccupation dans lunettes historiques. D'abord, parce que ça est plus important pour nous, pour essayer de comprendre ce qu'a privé et pays. Et ensuite, pour essayer ouais, si la compréhension que nous dégageons, si nous sommes capables de faire des propositions de solutions à crise. Là. Mais l'autre bien gardé, son accumulation de crise, d'agacé au singulier, qui mène à la crise plurielle que la vive là. Ou bien, on est capable de prendre à l'envers. C'est une accumulation de petites crises qui mène nous dans une grave crise que nous avons traversée, je ne vous dis pas là. Et donc, une petite crise, ça va priver ou pas résoudre, eh bien, il va déboucher sur ça nous est là, ça l'a constaté là, je vous dis là. Que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan économique, il faut nous garder à faire ça tout, que ce soit sur le plan politique, englober ça pour me dire son crise de société que la traversée en général. Donc c'est comme ça nous gardons. Et moi je crois que l'homme nous garde comme ça, solution pour chercher côté à pas de solution capable seulement conjoncturelle, certes, faut le conjoncturel, mais il faut des solutions structurelles tout qui côté à société pour que nous ne retombions dans la crise ça et encore plus devant. Mais quoi que nous y là, nous sortons dans point A pour nous arriver dans point B côté nous y là, si nous considérons l'homme ah ben oui. B ou bien Z, n'importe façon de catégoriser l'homme ou bien classifier l'homme. Monsieur Renoir, d'après vous-même, dans quel moment, qui ça qui déclenche ça dans la vie aujourd'hui là comme crise en dedans pays? Dans quel moment et crise là dégénéré comme ça pour nous aboutir côté nous y là? Yannick, Madame Dorsky, si vous voulez, jouer un point de départ là, c'est difficile. Même nous, qui situons quand même dans des dates qui sont quand même proches de nous-mêmes. Et si on voulait considérer le point de départ comme la mort, assassinat du président Jovenel Moïse, ou rien de droit. Mais moi-même, moi, le pied devant toujours, je me mettais en 1986. C'est-à-dire, rentrer d'Haïti dans la démocratie. Nous entrons mal dans la démocratie, nous entrons sans préparation, nous entrons sans que nous entendons, nous entrons sous massacre, nous entrons sous division, ce qui fait que nous ratons. Pardon? Non, j'ai dit bamboche démocratique, j'ai reconnu mes règles là. Bamboche. Oui, bamboche démocratique. Ça, c'est un point, nous sommes capables de dire, nous sommes capables de considérer comme un point de départ de crise à tous si nous allons aller trop loin dans l'histoire. Deuxième élément, pour puis près nous là, c'est l'assassinat de Jovenel Moïse. Et évidemment, avec tout ça qui a précédé l'assassinat, il faut considérer ça qui a précédé l'assassinat et tout, parce que la crise politique était lui-même à germer, et fédération gang, élection qui a été faite, renouveler les parlements, etc. Bah, ça, tout ça vient déboucher sous 7 juillet Mourida. Et puis après 7 juillet, il y a un nouveau premier ministre qui, comme tombé du ciel, qui n'a aucune légitimité, et puis sous pouvoir, qui soutient toute communauté internationale là, qui a fait ça, les gens le voulaient. Et donc, où vient gagner, ce gain là, je ne joue pas là, qui sont concentration de crise, qui fait que je dis, ou presque dit, ou par contre, pas qui bout pour Mariel. Évidemment, bon bout pour Mariel, bout là, c'est insécurité après les autres, mais ou c'est bout qui piche choix, parce que, il n'est pas facile. Lui révéler n'est pas facile pour plusieurs raisons pour entamer les solutions problèmes haïtiens en commençant par marquer questions insécuritaires qui sont magasins indispensables pour la vie capable de reprendre, pour la vie normale capable de reprendre, pour capable opérer un retour à l'ordre constitutionnel et démocratique. Mais dans cette situation, ça, il y a une question un peu moins à poser, c'est qui responsabilité et acteurs politiques, les hommes politiques qui sont en crise. Ce n'est pas seulement les gens qui sont sous pouvoir, qui sont en tête l'État, qui ont engagé la nation, qui ont engagé le pays. Mais tout acteurs politiques qui ne sont pas en pouvoir. Parce que, aujourd'hui, le problème nous gagne, même l'international envoie des émissaires, envoie des délégations, etc. Il y a toujours des problèmes haïtiens, solutions haïtiennes. Pour qui ça? Selon vous, même solution paysan là, face avec problème n'a vivre, n'a confronté journée aujourd'hui, li pa ka sorti par bon côté acteur haïtien. Qui ça qui empêche que yo mette tête sur politiciens, yo mette tête sur ensemble
pour yo di voilà mais qui ça nous proposer sans que pas obligé un petit accord à droite un petit accord à gauche tout le monde bon accord y a proposé sous table qui ça selon vous même qui empêcher que nous joignons vraiment une sortie de crise haïtienne avec problème qui vient là. OK. Il y a trois éléments nous qu'à considérer pour comprendre et question là et pour répondre à la question là. Qui ça fait nous pas jouer une solution? C'est parce que nous c'est haïtiens tout simplement. Nous pas l'habitude de parler entre nous-mêmes. Nous n'avons pas l'habitude de faire dialogue, nous n'avons pas l'habitude de faire concession l'un à l'autre, nous n'avons pas l'habitude d'atteindre des compromis, faire des compromis ensemble. Pour qui ça? Parce que nous n'avons pas l'habitude là. Parce que c'est avec la force qu'on toujours servi une contre l'autre. Et pour nous résoudre problèmes politiques, nous, conflits éventuellement ou bien différents politiques que nous avons gagné. Deuxièmement, nous n'avons pas des démocrates. Et trois cas leaders politiques. Qui là, c'est des gens qui agissent dans la politique là avec orgueil, agissent avec autorité et autoritarisme, on est capable de dire, comme pratique, et qui partent des démocrates. Démocrates là, il y a des valeurs que la démocratie a demandé pour cultiver. Et mis à part la question de transparence en gouvernance, là, il demande où il faut être tolérant pour accepter un courrier adversaire, pour capchita avec l'adversaire là pour parler, que ou n'a pas léa dans ce dialogue n'a pas l'eau là, ou jouer ou faire des concessions, lui faire des concessions tout, et puis ou arriver à des compromis. Donc, ça fait le deuxième élément. Et donc, ça vient de nous incapacité pour nous résoudre la crise là ou pour contre nous. C'est le troisième élément ça. Et ce qui fait que nous toujours référer nous à l'étranger. Parce qu'on a le réflexe que nous avons pour nous retirer dans nous-mêmes. Parce que nous pensons que c'est étranger à coup d'aime. Et c'est ce que j'ai accouché au côté, pour me sentir bien, pour mon ouais, bien avec moi. Donc, moi bien subi, moi bien couru, bien voyagé, pendant moi, pour expression créole là. Donc, nous, non, une situation de timon, d'infantilité politique. C'est-à-dire, il faut faire un monde beaucoup pour valider ou pas valider des têtes ou pour contre. Nous avons besoin de faire j'ai fait ça en tant qu'haïtien. Pourquoi j'ai fait ça? Un, pour nous prendre droit dans le monde. C'est-à-dire, et pour nous dire, nous sommes un peuple, nous sommes une nation, nous sommes une république, nous capables de résoudre le problème, nous les représenter. Deux, il faut nous venir apprendre une démocrate. Apprendre une démocrate, c'est ça, nous devons nous rater 86. Ah oui, de nous racine le problème, nous avons 86. Nous ne passons pas dans l'école de démocratie. Nous passons dans l'école d'autoritarisme. Chaque nec qui vient, c'est de vouloir imposer la loi par c'est lui qui fait, je voulais faire là, et l'œuvre voulait faire là. Et l'autre a dit, le président a parlé, point barre. Et puis, troisième effort là, moi, premier cours, dans l'autre sens, troisième effort là, c'est de dire, OK, nous avons parlé entre nous-mêmes, nous avons résolu le problème pacifiquement, sans violence, pas forcément besoin d'Adam, parce que c'est parce que chaque n'est pas c'est un groupe gang par eux qui fait nous dans la situation côté nous là. Donc, nous avons un gros effort pour nous faire, Yannick, pour nous capables de résoudre le problème ça, et c'est notre mentalité, nous, pour commencer. Tout ça, nous dit là, il risque de faire une bagaille, changer mentalité haïtienne. Le jour où nous faisons force pour changer mentalité, nous. Pour nous connaître nos grands mondes, nous agissons, nous prenons une décision nous seuls. Pour nous connaître que parce que nos grands mondes, comme Gachita parle avec notre grand monde, pas l'air, nous avons besoin de groupe avec toute la journée, et bien c'est ça nous voir que nous prenons une possibilité pour nous marcher en avant vers le progrès, vers la consolidation de la démocratie. D'accord, nous d'accord avoir, et lors parler nos grands mondes, faut que nous prenions des décisions pour nous, hein? Oui, c'est bien. Mais maintenant, qui ça nous prend le faire avec question ingérence? Qui ça nous prend le faire avec question corps groupe? Parce que acteurs politiques qui là, qui a dirigé, qui n'ont pas payé à prendre des décisions. Et tant que, ma prenne exemple, c'est le premier ministre Ariel Henry. C'est soi-disant un tweet qui mettait là. Pas vraiment des monde qui compte qui le bralé, pas vraiment des monde qui connaît pour combien de temps là, sinon lui même avec monde qui t'a censé mettre lui. Par rapport avec situation ça, nous ouais et nous comprenons ingérence. Nous ouais à travers corps groupe, nous ouais à travers États-Unis, Canada, ambassadeur, représentant, etc. Mais qu'on y a par rapport avec situation ça, comment nous pral prendre droit grand monde nous, le tout bagaille c'est international, c'est blanc qui prend. Blanc finance l'élection pour nous, blanc mette l'argent dans le fond de basket pour PNH pour sécurité pour nous. Nous-mêmes, dans ce moment-là, par rapport à la situation dans la vie de aujourd'hui, qui sa autorité ou ta supposé faire vraiment, si on voulait, si on t'a voulu
soi-disant prend distance avec international là avec moun sa yo ka foure bouche nan kozé peyi an ka prend décision en attendant que nous-mêmes nous rive résoudre problème que nous gagnons là. Alors m'a répondre concernant sur l'IA ingérence parce que ce problème c'est ingérence sans pitié. Qu'est-ce que ba un pays ou bien un monde doit pour faire ingérence à quel pays ou bien à quel autre monde? Mais c'est justement le responsable de tout bagaille pour manger, pour la bio, pour le café. Donc, une fois que le café tout bagaille ça, ou même bon position de tout le monde, bien, l'abdou, on va plutôt sortir à soi, soit sortir de la communauté, ou bien on peut fonctionner même dans la chaos sans sortir, etc. Donc, pas gagner gérance sans qu'on va ouvrir la porte au monde entrant dans la chaos. C'est là où ouvrir la porte au monde entrant que le gagner gérance la chaos. Sauf que le force n'importe là, par autorité que le gagne. Ça arrive, ça arrive dans les Nations Unies, avec le droit d'ingérence que vous votez dans les années 80-90, droit d'ingérence humanitaire. Mais on quitte ça à ce côté. Ingérence n'a pas subi en Haïti, hein, c'est nous chercher. Moi, j'étais tout à l'heure là, nous avons des dirigeants qui toujours pensent que c'est blanc qui peut nous résoudre le problème, ils ne peuvent pas résoudre le problème. Ils refusent Chita. Si en 1991, après coup d'état comme président Aristide, là, il était Chita avec le général Cédras, vous n'êtes pas allé, vous n'êtes résolu le conflit, mais vous n'avez pas besoin de gagner 20 000 soldats américains qui débarquaient dans le pays d'Haïti en 1994 pour venir ramener. Si, lorsque c'est une crise encore en Haïti, on va chercher n'importe qui, 2004, on prend un monde qui est toujours dans la crise en Haïti, 2003-2004, ils font élection depuis 2000, déchargés, ils prennent tout le bail à la porte, ils pètent un coup dans le pays, au lieu que M. Chita ensemble résolue, ça s'est passé, ils ont fait 2004, on y a assez les Nations Unies qui vont les troupes internationales, ils ont fait 15 ans dans le pays. Ouais. Ce n'est pas ingérence qui est faite par lui-même, c'est nous-mêmes qui invitons ingérence. Donc, il faut que nous prenions un grand monde pour nous dire, OK, on accepte que dans toute société, quand il y a conflit, dans tout pays, quand il y a problème, eh bien, on chita ensemble pour nous résoudre le problème. Maintenant, nous ne sommes pas capables de faire comparaison entre coopération et ingérence. Ni l'Haïti doit ouvrir à coopération à tout le pays. Nous ne sommes pas capables de vivre pour nous. OK? Nous devons définir vision de côté nous voulons aller, ça nous voulons. En même temps, nous avons besoin des partenaires étrangers, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été qui pour aider à réaliser des projets, plans, programmes pour gagner, etc. Vision pour gagner, pour payer, pour aider ça. Parce que tout pays, c'est ça, c'est ça, les communautés internationales, c'est une communauté. Nous sommes un seul peuple. D'ailleurs, nous réunis à travers les Nations Unies. C'est côté, dans le parler. Problème nous nous présenter et puis par solidarité entre les nations internationales, on a aidé l'autre qui nous soupe. La coopération, c'est un droit qui est développé entre pays, donc coopération bilatérale et internationale. Et puis, pour finir avec la question, en ce sens, c'est ingérence et communauté internationale qui décide pour nous, etc. C'est l'autorité qui, pour d'abord, de commencer à faire des efforts pour que nous apprenions mieux avec Fanoué, par exemple, pour nous apprendre à prendre des décisions pour contre nous. Par exemple, dans l'Union, nous avons dit, pour qui ça? Nous avons une crise, nous sommes obligés à attendre que ces émissaires étrangers qui viennent venir. Ma boy, un exemple. Le 21 septembre, moi, j'ai date là. Il y a 17 partis politiques que l'ambassade américaine, moi, j'étais là-dedans. J'ai invité, venez à l'ambassade là, messieurs, dames, et les États-Unis, ils regrettent que nous tombions dans la crise ça, ils regrettent lui-même tout le compte faire ingérence dans la crise haïtienne, non, c'est des erreurs que le compte faire. Jodia, ils décidaient, m'a parlé, ça, Brian Nicole s'est dit, mais dit, Jodia, nous décidons, dis-nous, c'est nous-mêmes pour les autres crises là, pour contre nous. Ok, États-Unis, à la pour aider nous, mais résoudre la crise là, pour contre nous. Eh bien, Yannick Dorsey, non, même jour et nous en finir. Aïssé qui était là, on dit, mais à nous pour rendez-vous pour aller rencontrer l'autre côté entre nous-mêmes. Il y a 17 qui répondent à l'invitation de l'ambassade américaine. Il y a 4 personnes qui répondent à l'invitation haïtienne. Ok? C'est pour montrer comme si nous avons toujours besoin de tuteurs. Ok? Sont là qui pour inviter nous-mêmes, pas qu'à inviter nous-mêmes pour nous faire une solution. Nous. Donc, ça, c'est un geste que nous voulons faire pour que nous sautions dans le type de comportement, ça a eu, de soumission, ça a eu. Et que c'est l'invitation seulement nous répondre, alors que nous ne pouvons pas convoquer, auto-convoquer tête nous. Bon, crise dans le pays, eh bien, à nous convoquer tête nous. Si nous avons une question toujours unir, lancer l'idée pour que, eh bien, nous qui avons l'argent dans le pays, c'est pas l'argent qui soit bien moyen, on ne sait comme nous ensemble pour nous acheter des armes, pour nous la police, nous, PNH, et exiger l'autorité pour nous sécuriser dans le pays. Ça, c'est une
démarche, nous sommes capables d'autodétermination, son démarche de décision que nous sommes capables de prendre. Nous apprenons à faire ce genre de bagages pour nous capturer sous tutelle, sous ingérence de l'autre pays. Et donc, voilà. Et son beau nettoyage pour faire dans la société, dans la tête, nous, dans la mentalité, nous, dans le comportement, nous, pour que nous capables de retrouver ça, nous capables de dignité de peuple, nous, et le ça, nous allons commencer, nous allons conduire nous avec honneur, avec respect, et l'autre peuple à respecter. Par rapport à cette situation, ça, parce que, et si moi, tout, dans, bon, m'appelle l'incident 21 septembre, là, parce que, et, blanc, disons, étrangers a convoqué différents acteurs dans la vie nationale. Ils ont convoqué des hommes politiques, des femmes politiques, viennent parler de problèmes pays. Ils ont venu. C'est entre haïtiens pareil, pour yon réunir, pour yon faire une rencontre, pour yon parler de problèmes pays. Ils n'ont pas vraiment présent. D'après vous-même, qui véritable intérêt yon homme politique gagne journée jeudi en là? Vous avez tout à fait raison. Vous pouvez répondre à la question. Alors, ça nous va gagner. Et contrairement à ça nous gagne, c'est que c'est gourmet la gourmet pour intérêt personnel, intérêt de groupe, intérêt de clan, intérêt de parti. Ça nous va gagner, malheureusement, c'est intérêt national, là, que nous avons mis devant tout intérêt ça. Le jour où j'ai fait ça, pour nous reconnaître que le pays a une situation exécrable, invivable, le pays n'a pas capable de supporter, créer ça, l'a supporté, à l'aide du pays haïtien, mon petit pays négligé, méprisé, vulnérable. Il n'y a pas qu'à continuer à vivre dans les conditions que nous vivons là. Le jour où nous sommes conscients qu'il y a des problèmes de chômage graves dans le pays, il y a plus de 70% de monde qui travaille, qui ne pas travaille. Le jour où nous prenons conscience qu'il y a 4,5 millions de monde qui ont insécurité alimentaire, nous prenons conscience qu'il y a 10, 12 millions de monde qui ont insécurité physique ou bien yo. Ou tête, etc. Le jour où nous prenons conscience que jeunesse pays nous en fin désespéré, nous prêts à aller pour le pays à la vérité par rapport, eh bien, le sang a bon intérêt national qui dit c'est pays à pour nous changer, pour tout bagaille à changer, c'est la situation personnelle pour nous changer. Et c'est dans l'esprit ça que le parti politique, ça va parler avec l'ordinateur national, il est uni. Nous faisons de l'union une bagaille sacrée pour nous. Parce que c'est l'union qui fait bah, nos nations que nous gagnons là. Union malgré différence que nous gagnons entre nous-mêmes, malgré divergence que nous gagnons entre nous-mêmes, et malgré peut-être des intérêts parfois contradictoires nous gagnons entre nous-mêmes, mais bon, intérêt pour nous gagner ensemble, c'est intérêt commun, intérêt national. L'union nationale pour l'intégrité et la réconciliation unie. Il faut nous réconcilier parce que nous diviser pour plusieurs raisons, et bien, nous remettre tête nous ensemble. Donc, le jour où nous faisons de l'intérêt national, nous, intérêt prioritaire là, à partir de ce moment, nous avons besoin de blancs de résoudre le problème pour nous. Les nations en danger, nous tout à fait tête nous ensemble et nous résoudre le problème ça, parce que nous sommes une république qui bâtit, son société plutôt, qui bâtit sur la solidarité. Je vous dis, nous commençons à perdre valeur ça, valeur nationale de solidarité que nous avons. L'on voit, c'est bon, là, quand on coupe le bouton de gorge, le coup, il y a le gars qui si son type pour côté ou à côté, je vous dis, tout le monde fait tout le monde, parce que, avec venez division avec Sam. Que ancien dirigeant, oui, pour qu'on dise ça, oui, Annie, tout ancien dirigeant passé depuis 10 ans, et si on prend la fenêtre, on n'a pas l'autre à la historique de 86 là, depuis 86, dirigeant met des âmes dans le même monde, jusqu'à journée aujourd'hui, fait que qu'on y a là, on vient de tomber, on paye piégé avec ça, et puis qu'on y a là, tout le monde fait tout le monde qui a tiré sur n'importe qui monde, groupe bandit envahi, groupe bandit pour tel tel lié, etc. Donc, tout problème, ça, yo, fait que je vous dis, la société a changé devant nous et nous pas joindre, n'a capable de dire, bonne formule. Là. Formule, là, là, oui. Formule, là, il y a des gens qui ont une capacité, qui ont une bonne volonté, qui ont pas corrompu, qui ont pas un mauvais deal. C'est des gens qui ont une direction pays et qui peuvent être pays associés dans le trou fait nous. Côté ancien dirigeant actuel au métier, lorsque vous pensez que c'est avec ZAM, c'est avec gang qui résout le problème personnel pendant que vous crachez votre pays. Ma prable nous, invitez-nous dans l'émission, c'est M. Clarence Renoir, coordonnateur parti Union nationale pour l'intégration et la réconciliation unie. M. Renoir, où faut approcher là, moi-même. Moun qui a dirigé là, yon des séries de moun qui n'a mauvais affaire, n'a mauvais deal.
Nous, on a un jour qui se passe au mois passé, depuis fin 2022, États-Unis, Canada, sanctionné et des hommes politiques, des séries de monde qui constituent élite, là, élite politique, élite économique, comme quoi il y a une relation à gang, il y a financé bandit, il y a financé insécurité en dedans pays. Par rapport avec situation ça, moi-même personnellement, je pense que c'est une occasion pour tout profiter, pour passer mais en dedans et classe politique là. Parce que grave accusation que moun sa yo gen sou dos, c'est pas vrai. Financer gang, participer dans malheur propre pays, garder haïtien haïtienne cap mouri, garder une société cap dépa fini comme ça, c'est pas jouet. C'est pas jouet, c'est mettre toute une nation en danger. Et par rapport avec situation ça, en tant comme politique, en tant qu'acteur et bon, ou pas un acteur et disons ou pas un acteur qui en dedans l'état qui vient pouvoir l'état non mais etc. mais où sont acteurs politiques qui ca toujours venir avec des propositions qui ca toujours garder problème non et puis vivre et proposons bagarre qui ca aider pays par rapport avec situation ça ou même personnellement structure union comment nous comprendre et comment nous ouais moun sa yo Canada États-Unis sanctionner des acteurs qui ont même des hommes politiques qui dans crise qui fait partie et qui en pile nan yo di yo chèche solution pour problème pays alors que international la considéré yo comme partie dans problème pays. Que oui, en réalité et l'em di yo am ba défini ni le nombre ni la quantité de monde qui yo prend de personnes qui va sanctionner déjà parce que moi ignoré moi même côté mi chita là et acte d'accusation que vous avez contre ces deux monde et qui profondeur vérité qui est là d'ailleurs qui n'a capable de dire qui enquête que vous faites pour joindre qui verra si bien. Cependant, on constate que c'est pas tout le monde qui est sanctionné. C'est-à-dire que il y a capable de faire une démarche là capable de couper la dedans. Mais cependant, on me dit d'abord, c'est dommage que ce n'est pas justice haïtienne qui t'a agir contre le monde en Haïti qui vient de l'être. C'est parce que justice à son justice qui est politisée, qui est en bas de quelques politiciens, et juges, qu'est-ce qui nomme nous, le monde qui dit que dans l'ULCC, etc., c'est des politiciens qui nomment nous pour mieux en parler. Ce qui fait que institutions sérieuses sont paralysées. Il n'y a pas qu'à faire travail dans qu'est-ce que l'administration. Et il y a des comptes du contrat administratif. La justice, le système en général, système d'institution d'enquête et de vérification, et puis le système judiciaire en général. Ils sont reculés pour nous, et il y a une dossier. Que ces pays étrangers qui sont obligés à distance, à plonger de fou, un tel, de tel moment, tel bataille. Mais, bon, c'est une vérité historique. C'est la première fois nous, ça fait. Il y a des choses qui des dirigeants haïtiens déjà à la développement, parce qu'ils ont un contact de l'homme. Je viens juste sous territoire, non, là, je viens croire. En 2004, j'ai arrêté le directeur général de la police nationale, j'ai arrêté parlementaire, j'ai arrêté proche président, j'ai arrêté membre du Sénat, membre du Parlement, etc. C'est la première fois. C'est-à-dire que nous, tellement, autorité, nous, elle me dit non, c'est pas société, la société est bien, mais pas la tête de l'homme. Moi-même, je crois que je dois admirer. Nous avons une stratégie de gens pour dignité pays. Mais nous tellement conduit mal, dirigeants, nous tellement conduit être mal, nous tellement utilisé le pouvoir de la population en bas à travers l'élection pour faire des bagailles malhonnêtes pour le résoudre le problème pays. Et finalement, nous prenons la trappe et pourtant dire tel pays arrêté, tel pays coupé visa, tel pays fait tel bagaille parce que nous avons des activités illégales, illicites. Donc, c'est un grand problème que lui et moi, je dis d'abord, son rôle qui est pour le pays, parce que ce n'est pas la justice pays qui est capable de sanctionner le pays. Dans tout pays, ça arrive. Il y a des gens qui sont dans l'État, qui sont dans la corruption. Mais l'État juge les gens qui sont dans la corruption. Structure d'État, pour faire travail, malheureusement, nous-mêmes, structure par nous, ils sont paralysés, ils sont politisés, et ils ne sont pas capables de faire le travail. Donc, nous avons besoin de replacer la société pour que nous ayons notre pratique politique. Pour que le service public est un service public réel. C'est pour tout vivre le service public. On a les doyers pour un député, pour un magistrat, pour un sénateur, pour un ministre, pour un président. Le savoir, non, après, dans l'histoire, pour un service public. On a des privilèges de marcher avec les serfs. Mais on n'a pas besoin, d'accord, profiter de positions-là
pour que la machine dictée doit circuler avec les articles pour bon certaines protections, pour bon certaines garanties et intimité vie privée pour tout le monde a besoin de reconnaître dans la loi parce que papa. Alors, on profite de ça, je ne sais pas malheureusement toi. Donc, le comprendre, sans l'État, même, sans servir l'État, ça nous le dit, à partir de ce moment, on va voir que vous avez des gens dignes, qui n'ont pas la référence à tête ou tête changée, et qui va peur que lui prenne des décisions, parce que le premier va nous dire qu'il y a un peu de cas, mais déclencher n'importe qui bagaille contre lui-même, n'importe comment, parce que le dossier sur lui-même. Donc, ça, son travail qui va faire du jour au lendemain, changer dans le commencement, conversation avec Mbidou, il y a des problèmes, nous vient là, crise nous vient là, il y a des solutions conjoncturelles, pour côté à lui-même, c'est-à-dire changer un premier ministre, il faut changer, mettre l'autre monde, et dans la place, mais nous vient des problèmes structurels, tout, pour que nous retirions notre tête jeune haïtien, et un travail se va faire là, c'est dans ce sens-là, ou pour le milieu intéressant, pour la même jeune monde qui veut venir faire politique là-haut, il faut lui faire politique même, chaque monde. Ni dans l'armée gang, ni dans ce qu'il y a dit le groupe, ni dans ce qu'il y a dit les armes, acheter les armes, les premiers bouts, etc. Parce que l'on fait ça, mais ça fait beaucoup. C'est dans ce sens-là, sanction à eux, quelque part, ils vont. Malheureusement, c'est sur le plan international, ils vont pas sur le plan national. Mais il faut que société a marqué, noté, monde qui a avilé les libertés, qui a fait la réponse sur ça, l'image qu'il y a, pour que monde ça, il va digne encore de représenter Haïti dans aucune façon. Moi, je crois que c'est ça la leçon de l'histoire pour nous tirer. En tout cas, nous-mêmes dans l'Union qui a fait politique, c'est ça la nous retenons. Nous disons, nous, messieurs, dames, politique, pas doué, beaucoup d'agents pour aller en pour aller en échoue, pour aller faire une qualité digne qui est pas bon. Politique, c'est un agent pour aller servir les gens. Politique, là, c'est là où je nous blesse, science politique, là. C'est là où elle fait ça. Il y a des noms dans l'histoire comme le monde qui peut changer la vie du peuple. Ou changer de destin pays là. Mais pas acheter la gagne d'abord, et puis après, ou servir ou même encore pour sale, ou dénigrer, ou avilir, ou passer la boue dans le pays là. Donc, nous avons un gros travail pour nous faire, et dans l'Union, nous passons nous-mêmes. C'est notre type de travail, ça nous est. C'est pour ça que nous avons déjà maintenant un vieux rapport à fête, qui c'est des occasions de partage, de gâteau, par exemple, des gâteaux même, c'est offrir nous des postes pour nous signer, des bagages, nous disons non. Lorsque nous avons un sérieux, parce que allô? Allô? Et on dirait que nous perdu M. Renoir. Et bon, par contre, qui s'est passé, ma PC, il fait contact là parce que vraiment, ça a passé en dehors du pays. Là, nous besoin pour nous continuer. Nous besoin vraiment pour nous continuer et pour nous continuer à parler avec acteurs. Gardez qui ça nous a joué. Comme est sorti de crise. Parce que le problème est tellement pile, le problème est tellement profond, et la solution est là. Si le problème est la solution est là. Et oui, monsieur Renoir, nous avons perdu contact. Oui, nous avons perdu contact. Alors, je ne sais pas si j'ai côté, mais je prends un sort de là. Pas de problème qui n'a pas de solution. Solution est là, en notre pays. Solution, c'est haïtien qui veut une solution. C'est nous-mêmes vraiment qui pouvons faire chiffre pour nous faire là, pour nettoyer le pays, nettoyer dans le sens propre du thème, pas péjoratif du thème. Nettoyage dans le sens, on est capable de dire, non, triage. Pour faire un triage de monde qui a une capacité, qui a une volonté, qui a une honnêteté, qui a une intégrité, pour nous faire aussi au même qu'à le service du pays, pour permettre que le pays soit dit pour le pays là. Parce que le pays est dans une situation excessivement grave. Pas seulement dans le problème d'insécurité qu'a vécu là, non, mais souvent qu'a bien des dirigeants honnêtes, sérieux, intègres, et qu'a dirigé lui, eh bien, n'a toujours retombé dans le problème encore. C'est ça que nous devons faire. Nous devons faire un tri parmi tous les haïtiens pour nous dire, moun qui est capable, moun qui a une bonne volonté, moun qui a une bonne réputation, bonne renommée, eh bien, on nous met tête ensemble pour changer le pays. Mais bon, l'autre aspect qui est extrêmement important, tout M. Renoir, et par rapport avec acteur yo nou gen la modèle moun sa nou gen fè politique la nou wè ki rezultat yo bay et yo vraiment renmen plus que pa bay rezultat yo toujours renmen dou la politique tient le droit en état parce que nèg sa yo ki an dedans pays a fè politique de gren gauche ka fè politique sale ki vin bay de série de moun ki anvi fè politique yo di ah pou sa mwen ka passe la pou jan mwen tel a fè politique la m pa rentre nan bay sa alors que moun yo te ka vraiment vin aider pays yo
c'est des technocrates, c'est des monde qui gagne expérience, qui expertise dans des domaines précis qui t'a pas venir aider pour aller mieux. Yo tout yo pas rentrer dans politique. Et en pile politique c'est qui mettait monde dans justice, yo faciliter commissaire gouvernement en jeune poste, yo faciliter juge en jeune poste. On y a comment va demander monde ça qui gagne une grave accusation. Comment va demander pour un commissaire gouvernement enquêter. Comment va demander une juridiction pour enquêter, pour chercher des éléments charge contre X, Y, Z alors que monde ça c'est eux même qui mettait le poste. Monde ça c'est eux même qui t'ai fait le jeune job là. Donc et comme si Nèg sa yo, monsieur dam sa yo, qui organise yo pour craser pays, qui organise yo, qui prend plaisir dans mauvaise gouvernance, dans faire corruption, c'est comme si yo bon accès illimité. Yo bon groupe moun ka facilité yo faire, et puisque yo connaît pas vraiment bon sanction pral porter contre yo même, genre système nan yon, c'est système yo à l'aise dedans, yo continue. Par rapport avec situation ça, oui, c'est vrai, faut nous changer et moun ki la, faut nous changer système nan, faut nous vina avec nou et nouvelle tête, faut nous vina avec et moun ki capable, moun ki pi capable, etc. En dépit de tout ça, unir Clarence Renoir, comment nous comprendre système justice? Est-ce que n'a pensé et pour une réforme, est-ce que n'a pensé pour nous venir avec et pour nous venir avec nouveau plan, nouvelle perspective pour nous garder? Si toutefois élection fait union vini au pouvoir, comment nous pral remanier système justice parce que pas un pays sans justice, pas des sociétés sans justice pour nous aider pays à avancer. On est pour moi-même un maître mot capital, décision capitale que nous besoin prendre pour nous commencer à régulariser le système justice dans un pays à, par rapport à politique là. C'est prendre une décision pour le faire parce que quoi je n'ai plus mon côté. Moi-même, je suis arrivé dans une position de pouvoir, je n'ai pas d'immunité encore du tout. Je vous retirer l'immunité, en pile monde n'a pas rentré dans la politique encore. Parce que bien pile monde qui rentre dans la politique, bien qui rentre puis vient faire des bagailles, que vous pas trop faire, parce que la politique va être facilité pour faire. Bien qui rentre dans la politique, que vient cacher sous sa haute fait, pour pas rien. Donc le jour retiré, ça veut dire immunité qu'on a gagné. Le parlementaire, ils ont immunité, ils mettent tout le monde par rien. Ils mettent le volet par rien parce que le côté lié à l'Ipon. D'abord, on blague, même si je blague là, on va identifier nos mounes, non, anecdote que lié. Et d'abord, les compromis, c'est pas une tirer leçon de l'histoire pour ça. Mais parce que si nous retirer l'immunité, le président de la République, là, pendant la fonction, seul monde qui est capable de en bas on imite, c'est lui-même pour ne pas déstabiliser le pays. Parce que justement, le problème d'instabilité, nous, c'est parce que je suis président trop souvent. Le président Montebello aurait 6 mois sous pouvoir, on propose d'y mettre le dehors, mettre l'argent ensemble, mettre un débat. Ça, il faut corriger le truc. Pas ça fini dans le pays. Il faut qu'un bon président pour faire 5 ans. Lui, son mari qui va bon, après 5 ans, on juge. Ça fait dans tout le pays. Il y a des jours, il y a aux États-Unis pour les 32 devant le tribunal. En France, le juge Sarkozy, 15 ans après mandat. Et nous avons l'autre pays encore des bases à passer un exemple, que ce soit Taïwan, ou bien en Amérique latine, ou au Brésil, ou fait le truc, etc. Donc, retirer assez de immunité à parlementaire, concours de parlementaire, pareil. Donc, je vais vous donner un exemple pour comprendre. Il y a un qui candidat pour un poste. Monsieur Sarr et service de la police nationale, qui est et hésitation sur lui-même au monde qui n'a pas top. Eh bien, il y a l'arrêté, monsieur, parce que monsieur était candidat. Le monde qui était premier ministre à l'époque a dit non, pas arrêté, monsieur, c'est une bonne immunité parce que c'est candidat. Donc, vous candidat déjà, vous avez une immunité. Ah oui. Donc, on va faire un pays comme ça. Si vous avez une bonne mémoire, vous passez tout comme journaliste ou obstrangé qui fait ça, qui fait comme ça. Eh bien, l'on fait ça, on détruit justice au pays, on détruit la police, en tout cas, on travaille dans le cadre et qui gagne des informations sur le monde. Là, l'arrêté, mon nom. Mais on est qui au plus de la gueule parce que Nexara, il fait candidat et c'est pas mal, et sous pas mal candidat. Donc, on ne peut pas arrêter l'idée d'immunité. Moi, je pense que c'est pour nous retirer ça. Si nous retirer, c'est un gros pas à faire la question de justice. Là. Deuxièmement, juge la constitution avec loi pays a dit comment on l'a mis. Ce n'est pas un parlementaire, un sénateur pour nous montrer nos postes. Gagner, on marche à suivre, une procédure. Une fois que le respecter, eh bien, juge qu'il y a indépendance, puis vous faites travailler comme ça doit. Et juge tout, puis c'est des justiciables. C'est-à-dire, vous même tout, gagnez justice, puis vous passez au qui bouge Michel. Si nous prenons au niveau de la police, c'est pas
pareil. Dans la police, il y a l'inspection générale de la police. Il y a la police de la police. C'est le monde qui l'a pour garder qui sa police a fait de mal pour le reporter, pour le sanctionner, pour faire ça, pour faire tout le temps, pour faire 20 minutes, pour que justement, pour pas quitter quoi, pour tomber dans une sorte de pratique, on est capable de dire clientélisme et bénéfice. Je dis, j'enlève, sous base de son autorité, etc. Non, il faut que société politique là, réglé de telle sorte que tout le monde qui pour répondre, l'homme ou bien pour répondre non, j'en pour répondre non, parce que vous êtes citoyen, tant que tout citoyen, ou tout simplement gagner momentanément une fonction quoi pour accomplir, mais fonction accomplie avant bon droit pour tout sortir dans le pays. Monsieur Renoir, nous pas fini, mais avant de finir, nous avons deux dernières questions. Et par rapport avec la crise navire de dans le pays, insécurité, question de banditisme, bon, question de terrorisme, nous avons dit comme ça. Parce que je viens de dire là, question kidnapping, 10, 20, 30, on a kidnappé par jour, ça a été excessif. Et nous n'avons vraiment pas aucune réponse adéquate qui peut être avec le problème qui vient là. Et gen moun ki considère que ça n'a vive comme insécurité en dedans pays, le fait que autorité ont montré un certain laxisme, ont montré pas vraiment soucieux pour arriver résoudre problème non, ça vient renforcer capacité gang, capacité groupe armé pour yo vinn mieux organisé. Gen moun ki allait tellement loin ki yo dou bandi yo ta mieux organisé que la police. Bon, nous pas rentrer dans la logique pour n'a craser institution bien des séries de bagarre qui ca et affaiblir moral policier par rapport avec des séries de nèg qui armé qui gen zam illégal nan mais yo ka fait société à but. Mais quelque part en dedans la police, c'est comme quoi nous ouais un manque de volonté. Un manque de volonté réel pour y résoudre problème. Il y a des gens qui basent sur le fait que il pas de matériel adéquat pour les policiers, pas d'équipement, pas de blindé, etc. Ou te lancé un appel côté que des séries de gens, ou fait appel à gens qui ont l'argent dans le pays, mettez tête nous ensemble, mettez l'argent nous ensemble pour nous arriver acheter quelques équipements pour payer un achat, hélicoptère, etc. Je dis, problème de sécurité, est-ce que d'après vous-même, c'est seulement une question d'équipement lié, hélicoptère, drone, et l'autre qualité d'âme que la police a pas besoin, bien l'homme a besoin pour résoudre? Est-ce que problème de sécurité n'est pas allé au-delà de ce matériel que l'institution a besoin? Certainement, c'est pas uniquement matériel avec équipement qui fait une force de sécurité efficace. Mais en même temps, tout son dilemme, il n'est pas capable d'efficace tout sans le bagage, équipement ça avec des matériels ça. Et c'est pour ça qu'il y a des forces de coercition, forces de sécurité, n'est capable d'être invisible. C'est des équipements, oui, son équipement moral. Et tout le monde doit très rapidement avec vous. Et l'organage est dans poche. Ça va dire au pauvre pour autant, donc vous obligez de marcher sale. Vous êtes capable de mettre en dignité ou marcher bien propre pour gagner l'argent. Mon ouin ou yon l'autre gens. Vous gardez l'autre gens, vous avez respect, etc. Mais au-delà de l'équipement, de vol et de doctrine, de tactique, stratégie pour faire police, force de l'ordre, force de sécurité, de travail, il y a un tête qui est la volonté politique. Yannick. Donc c'est ça que pas de jour dans le pays. Pas de volonté politique pour combattre l'insécurité. Parce que justement, l'insécurité, sont même insécurité. Sont insécurité qui produit par des gens qui ont fait insécurité. Parce que l'insécurité a utile, il est bon pour eux. Il permet de rester sous pouvoir le plus longtemps possible. Donc ils ne vont pas combattre l'insécurité. Au contraire, ils vont entrer dans connivence, dans relation. De proximité de tout type de relation avec le groupe Gangnayo pour être capable de perdurer ce pouvoir. Parce que imaginons un moment, ça m'a quand même depuis longtemps. Je dis, si on monde qui arrive sous pouvoir dans la condition de monde, ça arrive sous pouvoir là, je dis, ma tête, je me suis dit, non, il faut qu'il y ait des sécurités, il y a des coalitions gang, et ça, ça va m'éliminer ça rapidement. Fédération gang, pas d'exister dans le pays à gang, pas d'apprécier tel ou tel côté, eh bien, il va faire 6 mois dans le pouvoir. Parce que la mettre toute force ici pour le dire, mais ça nous va le faire 3-4 mois, à nous éliminer tout le bagage, puis le pays a pacifié, nous va faire l'élection. Du coup, on est si le fait ça,
Eh bien, il n'est pas dans le pouvoir encore. Donc, lui-même, tu as fini ça pour ça. Eh bien, il dit, c'est pour moi qui ai le plus possible au pouvoir. Pour me continuer à quitter l'insécurité à Blaïpol. Pour me faire comme je ne pas attendre, je ne connais pas. Parce que par un intérêt national, un intérêt personnel et un intérêt de petit clan de monde qui pensait, je dis, c'est tout par exemple qui me pouvoir dans mes yeux. Bon, je me mets sous l'île, je prends pouvoir. Donc, vous besoin ça pour résoudre l'insécurité. Vous besoin, oui, équipement. Nous allons nous lancer appel là. Nous disons, si population, l'ensemble population, à commencer par mon petit plus riche là. Parce que, Yannick, l'homme vient garder. Insécurité, qu'est-ce qu'on dit plus besoin de sécurité? Un monde qui fait riche, qui a un business, qui est plus ouvert, qui va plus ouvrir, qui ne va pas vendre, en bas la ville, là, c'est un lieu commercial qui bloque, etc. Les populations, c'est vrai, victime dans l'insécurité, parce que c'est mon petit plus pauvre, pas pratiquement mon classe moyenne, il y a des pays, il y a des capitalistes, nous, quand c'est comme nous. Mais mon petit plus riche, là, au plus, souffre toujours de l'insécurité, donc il faut que vous contribuez plus toujours pour nous résoudre ce problème. Là. Donc, si nous faisons effort ça, nous baillons la police, ça moyen que le besoin pour combattre l'insécurité. Au lieu que nous avons des blancs, mettez dans le pays, nous, et blancs parlent, nous montrent le pape vini, les dînes, pas fini. Mais ça bat nos orgueils. Au son, je ne commence pas en conversation, on d'abdi où, il faut que nous commençons à vous prendre droit dans le monde. Ça, c'est un élément. Vous prenez droit dans le monde, mettez-moi rien pour sécuriser le pays où, et bien, vous faites contribution nationale, vous faites un effort personnel, un effort national. Vous faites ça, vous le faites. Une fois qu'on a équipement, ça y est, on autorité en tueur pour bon sécurité. Moi, bon moyen, moi, bon âme, pour y a bonne sécurité. Soit bonne sécurité, je prends la rue, je vais manifester, je vais faire ça, je vais faire pour bonne sécurité, parce que c'est un droit constitutionnel que je viens pour vivre en paix, pour me circuler de tous côtés, pour me garder mon mec à l'école, pour me garder en fait au mal travail, pour me professeur de l'école qui va le faire pour comme ça doit, pour que mon capable de commerce sur des initiatives sur route nationale, nous, qui ont dit à nos bandits. Donc, nous besoin d'une coalition de monde qui a conscience nationale. Ça qui dit ok, pour lui, ça manque moyen, manque équipement, n'a pas l'île que direction générale, là, que technicien, expert, entraîné pour lui, ça, bas aux tactiques, bas aux stratégies, et que volonté politique maintenant qui vous dit nous allons attaquer gang dans la forteresse, tu vois, et même chose dans tête l'État, dans mes premiers ministres qu'il a actuellement, c'est lui qui veut travailler ça. Bon, l'autre aspect, oui, pendant que vous mentionnez moun qui gagne l'argent de notre pays, un gros businessman, il a plus intérêt dans la sécurité pays. Yon. Mais tout, et gagne des séries de moun dans l'élite économique là, que vous sanctionnez tout pour collusion avec gang. Bon, qui intérêt un moun qui gagne l'argent gagne pour gagner proximité avec bandit pour la financer gang? Alors que sécurité, si l'État, si un gouvernement pouvoir qu'il a gagné et joint toute ça le mérite gagné, gagne facilité pour mettre sécurité, pour mettre la paix dans le pays, li bon pour tout le monde, li bon pour lui, li bon pour tout le pays, li bon pour toute population. Donc maintenant, derrière motivation, chaque secteur, chaque parti, bon bagay qui caché, bon bagay qui inavouable, c'est une des raisons, je dis, le n'a pas parlé de problème pays, j'en fais l'un li extrêmement important. Gen moun ki gen intérêt mesquin yo mette en avant au détriment de l'intérêt général là, au détriment de collectivité a. Donc c'est ça pour moun yo comprendre que en dépit de tout ça nan jodi an la, gen moun ki wè pays, mais comme ça tout gen moun ki wè poche yo, ki wè kembe pouvoir, ki wè et kembe pays an instabilité an pour yo ka fè beur yo et puis après pour yo aller. Monsieur Renoir, dernière question pour nous finir. Yon de mon invité, m t'a parlé avec lui sous question de décentralisation. Et ces derniers temps, nous avons parlé en pile de ça, surtout, et internautes, les gens qui ont regardé l'émission, ils ont vraiment posé des questions. Yannick, est-ce que ce moment-là, ce n'est pas un bon moment pour l'autorité, pour l'État, ou bien pour la structure politique, poser problème de décentralisation comme un élément qui peut aider à résoudre problème et sécurité a, ou bien instabilité qui gagne là comme capital pays engorgé et Port-au-Prince là toute bagarre à régler, capital économique, capital politique, et c'est là près de 60% groupe armé yo gonflé quoi, yo terrorisé population. Est-ce que Clarence Renoir, est-ce que unir bon projet sous décentralisation, comment nous voyons concept décentralisation dans moment là par rapport avec crise et que pays a traversé? Mais je crois que
poser bonne question, c'est décentralisation, c'est surtout déconcentration de pouvoir, de capacité chaque région, capacité pour capable répondre à demande population. Et c'est une vieille pratique que nous gagnons depuis dans 20e siècle là, depuis devant toujours, et que Dagadou, tout bagage, c'est pour le prince, pour nous venir faire dans la capitale là, et comme tout, pas capable de faire rien pour tout. Et nous, on pratique ça, et c'est lui qui mène une binovilisation de capitale là. C'est-à-dire, je veux dire, on concentration de population dans la grande ville là, et puis, comme la campagne, et section communale, ils ont abandonné. Vous comprenez? Mm-hmm. C'est parce que justement, ils ont concentré tout le service public là, dans la grande ville là. Donc, déconcentrer, c'est déjà le chemin de décentralisation. Déconcentrer le service là, fait que on monte besoin de fonds de licence, il a besoin d'une porte-presse. Parce qu'une fois que nous avons une porte-presse, c'est tout retenu. Déconcentrer, c'est que nous n'avons pas besoin de faire passeport à porte-presse. Une fois le venu, il doit retenir, etc. Donc, tout le bagage là, fait que on nécessite effectivement pour entrer dans le processus de déconcentration des services publics à l'État. Et décentralisation, c'est pas le bail autorité et régionale, pouvoir de décision. Par exemple, on met un ministère qui rentre comme taxe, et bien il y a moyen pour lui résoudre le problème. Ce pas le ministère de l'Intérieur qui vous balle pour le demander tant pis souple pour le magistrat monter porte au prince, pour le battre porte ministre, pour être capable de pour nettoyer la cahier alors que vous taxe dans le central. Pour avoir une capacité pour gérer dans la cahier, on partit dans la taxe que le premier et mais ça arrive dans la capitale là pour servir et respirer en général. C'est comme ça fait dans tout pays. Donc, si nous faisons ça, justement, il va dépeupler la capitale là. Il va faire seulement la déconcentration de services publics ou non. Il va faire tout un déconcentré pôle de développement et tout. Pour que nous puissions ouvrir des business dans le sud, dans le nord, dans la grande danse, etc., dans le plateau central, que Mounio, le travail, la caillou. Mettez bonne université dans les deux provinciaux, dans le département, côté nous avons besoin de concentrer Port-au-Prince, de faire toute sorte de là, et puis on y a pays, capital là, une invivable, et de produit ça le produit là en termes de insécurité, en termes de n'acabable du tout, trop proximité entre monde et monde, mais problème d'insalubrité et maladie à gagner et tout. Tandis que le pays a 27 750 km², si vous êtes déconcentré. Si vous étendez le service sur l'ensemble du territoire, et bon, t'as gagné un monde qui veut vivre la caillou sans qu'il y ait besoin de venir concentrer dans les grandes villes et venir produire problème que n'a plus je n'ai aujourd'hui à là, qui n'est pas seulement problème d'insécurité, problème d'insécurité à nous, parce que le visite, ils vont vous calacher pour flammer ou on mange longue, mais là, pas de problème dans la rue. Mais des gamins là, ils ont fait dans la bidonville là, parce que proximité. J'ai mon a vu une collée sous l'autre, l'abdominant, chambre à 10, 12 mounes, etc. Fait que maladie a décimé la population dans les petits côtés qui va prendre tout le monde ça. Donc, nous avons travaillé en réalité, Yannick, qui m'a dit un programme de développement national qui doit avoir une vision sur 10, 15, 25 ans. Parce que c'est pas demain la veille que tout le monde va résoudre. Il n'y a pas résoudre un seul coup. C'est ça que nous-mêmes, dans l'Union, nous ne sommes pas populistes pour nous dire pas un pays à résoudre tout le problème. Non. C'est un pays pour nous réorganiser entre nous toutes. Il faut nous prendre ressources humaines qui qualifient, quelle que soit partie ou soutien, pour nous mettre ensemble, pour nous avoir une nation qui est capable de vivre ensemble, côté, malgré que nous n'avons pas même parti avec vous, malgré que nous n'avons pas même couleur avec vous, malgré que nous n'avons pas même origine, nous sommes de New York. Mais on saute la ville, et nous travaillons ensemble, nous mettons force ensemble pour faire pays avancer. C'est travail, ça, dans la tête, nous-mêmes, nous unir, nous allons réaliser dans le pays pour que le pays fait bon en avant, ça, qui est nécessaire, parce que nous avons été en pile par rapport au pays voisin. Là. Et unir, pareil là, si demain, tu as une élection pour unir à l'élection, ou bien unir pendant l'élection avec le pouvoir de la. Bon, vous voyez, non, nous ne pouvons pas arriver à l'élection. Nous ne pouvons pas arriver à l'élection qu'on y a là, et nous qui gagnons, vous gagnez dans le mur, et à vous faire élection, faire élection, parce que vous connaissez, vous pouvez faire même des jouets, mettre du feu, tirer tout le monde pour gagner l'élection. Nous croyons que c'est nécessaire pour que la sécurité dans le pays, pour que l'élection soit capable de faire, pour que nous changions le chapitre ça. Parce que changer le chapitre, vous l'avez dit, il faut nous, l'un de notre transition, ça, pour nous acheter de tourner notre transition encore. Pour notre stabilité durable. C'est ça pour sauver le pays. Là, sur le...
Monsieur Renoir, allô? Allô? Mwen la, allô, allô. Ok, te gon problème de communication, pas de vrai. Et le mot de la fin pour nous finir, parce que jodi an la, nous face avec une situation côté que diaspora tellement, moun yo tellement envie retourner dans pays yo. Gen moun ki nan diaspora ki tellement envie wè yo retourner la kayo, vini investir la kayo. Gen yon pile moun nan diaspora ki a gade comment yo ka fè des plaidoyers pour yo joine intégration yo nan vie politique en Haïti. Et toute dernière question avant de quitter aller monsieur Union. Et monsieur Renoir, est-ce que Union et un projet d'inclusion pour diaspora dans ça qui vient pour avec activité politique. Est-ce que nous avons des membres de diaspora qui dans structure là, comment ça y est? Certainement, nous croyons pas Union seulement tout parti politique et tout hier, mais en réalité c'est pays qui doit avoir une vision côté diaspora. Pas une diaspora en termes de distance, parce que oui, il va vivre en Dapilia, il va louer et quitter en dehors de toute décision qu'a prend. Diaspora doit faire partie prenante de décision qu'a prend. Parce que ressources humaines qualifiées qui gagnent dans la diaspora, pas gagnent en Haïti d'ailleurs, qui s'agit en Haïti, ils ont quitté et allé dans la diaspora. Ou comme ça, Canada prend main d'œuvre qualifiée pour nous gagner, Canada prend un peu de diplômé que nous gagnons, et puis le médecin haïtien qui nous fait médecine en Haïti, et bien on partit à l'autre côté. Parce que l'autre côté besoin. Donc nous besoin. Et non pas considérer la diaspora comme une entité à part, mais comme une partie prenante de développement pays d'Haïti, dans toutes les ressources que le gagne, politique, économique, expertise que le gagne dans des métiers que le maîtrise, mais c'est nous tout ensemble qui pouvons faire lire pour que le pays soit capable d'avancer. Parce que je vous dis, Madame Dorsey, si vous bien regardez, et même les gens qui ont plus santé, qui ont plus force, qui ont plus courage d'ailleurs, après des pays, qui est-ce qui a pris dans le pays là? C'est les gens qui n'a gagné seulement un petit peu dans le pays? Non. Il faut que les gens sachent qui de leur pays, quel que soit côté, oui, en République dominicaine, dans les Antilles, Bahamas, etc., aux États-Unis ou en Europe ou en Afrique, capable de retour vers le sol natal pour que, ensemble, nous travaillions dans la concertation, dans l'union, dans l'entente, pour que nous puissions sauver le pays. Parce que nous tous sommes fiers du pays, quel que soit côté de nous. Monsieur Renoir, et merci en pile et pour disponibilité. On pense que message lancé et certainement et chaque grain haïtien compatriote friend nous yo vrai moun qui soif stabilité, moun qui soif sécurité, moun sa retourne dans diaspora qui envie retourner la caillou en Haïti, yo vraiment apprécié le fait que gen haïtien, gen moun qui dans politique qui wè bagay yo autrement, qui a prêché dialogue, qui a prêché consensus, concertation, problème haïtien, solution haïtienne. Je pense que c'était une occasion en plus pour haïtien, c'est une occasion en plus pour chaque grand monde qui a regardé l'émission, pour chaque grand monde qui a regardé nous dans ce moment-là, pour comprendre que problème qui est en dedans pays, c'est nous tous ensemble qui pour mettre tête nous ensemble pour nous résoudre. Et monsieur Renoir, le mot de la fin pour me quitter Wallet. Son mot d'espoir, moi-même, moi, son monde qui connaît des difficultés personnelles, familiales, dans le moins, et moi, résoudre le problème, ça y est, pas force, moi, non, une force divine de Dieu qui permet de résoudre Dieu, mais en même temps, vous faites une bataille désespérée dans la vie, malgré les difficultés. Et un autre jour, je raconte tout, vie, moi, dans le détail, et le savoir comprendre, ça m'a tout là. Mais, donc, moi, pour le pays, malgré tout, par la solidarité entre nous, par la foi, la capacité nous pour monter, pour faire face à la difficulté, et le fait que nous sommes capables de sauter la Daïwa, moi, demain, dans quelques années, a été valorisé dans un changement en véritable. Merci en pile, monsieur Renoir, pour disponibilité. Merci. Et bien l'autre occasion côté que nous ca continuer parler et de paysan garder ensemble qui ça nous ca proposer comme perspective de solution. C'est un véritable plaisir pour me dire avec vous. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Allez. À la prochaine. Invitez-nous aujourd'hui en émission, c'était monsieur Clarence Renoir, coordonnateur
parti uni. Et yon parti qui toujours prône dialogue, qui toujours prône concertation et vivre ensemble, problème haïtien, solution haïtienne, c'est mettre tête nous ensemble, pas gon question pi grand, pi piti, pas gon question, c'est moun an de yon, c'est moun la ville, pas gon question, c'est moun diaspora, c'est moun Haïti. Nous tous c'est haïtien, indépendamment de classe sociale nous, de couleur nous, de l'argent nous, de statut nous tous c'est haïtien. N'importe quoi ton passé. N'importe quoi ton passé, n'importe moun qui te konnen, c'est haïtien depuis yo roya dou c'est haïtien, mais on haïtien. Donc pour qui ça problème nous gen la journée jodi an ka plonger société a, nous conscient ces problèmes haïtien yo, nous conscient problème yo c'est haïtien qui généré yo. C'est acteur yo qui généré yo. Nous conscient oui gen gérance internationale nan problème pays an, non paquet de décision k'ap pran en dedans pays an, oui international nan fourre bouche États-Unis, Canada, pou fourre bouche la dan, mais fourre bouche la dan c'est parce que yo joine acteur, yo joine moun ki pou exécuter ça yo gen comme agenda, ça yo gen comme mission, ça yo gen comme plan. Jou nous gen des haïtiens qui conscient, jou nous gen des acteurs, des autorités qui conscient que problème nan viv la, c'est pas un problème côté que chaque nèg a pensé pour tête, chaque nèg a pensé pour poche, mais son problème côté que faut nous poser base yo, faut nous poser pion yo pour nous chercher ensemble solution qui a nan intérêt général. L'homme doit garantir que instabilité nous connaît là. Instabilité pays à vivre, instabilité politique, assassinat président, président pas ka fini mandat, nan pralon souffre avec lui, mais fok acteur yo prend conscience que c'est yo même qui crée ça nous gen là, ça nan vivre comme crise en dedans pays. Et c'est pas seulement une question d'insécurité, gang kap touye nous, crise en li plus profonde que ça. Crise en li plus profonde, moun pa ka manger, moun imaginez nou pays jusqu'à présent ou a parlé de près de plus que 60% moun ki pa konn li. Ou a parlé de plus de 60% haïtien qui analfabète, qui pa konn ni li ni écrit. Et puis nous voulons faire pays. Qui pays nous voulons construire? Qui société nous voulons construire? Tout ça, c'est des problèmes pour nous poser. Hier, moi, te dis ça dans l'émission. Moi, m'en arrivé pour nous suspendre parler de même problème, yo. Problème de sécurité, mauvaise gouvernance, corruption, etc. Oui! Problème ça a toujours existé, mais on parle de principale préoccupation non. Et moun sa yo pa konn li sa, ki pa konn li yo. Et moun sa yo ki pa jan mwen courant la kayo, et moun sa yo dlo potab pa jan rive nan tuyo la kayo. Et moun sa yo ki nan quartier populaire yo, ki pa yon kay pou yo rete, ki pa jan travay an fwa nan yo, ki sa nan fè avec yo? Nan bliye yo, nan abandonne yo, tout ça c'est des problèmes pou nou pose. Et problème payan véritablement, son problème de société. Dim ki yes ou frekante mabdou ki yes ouye. Jounen jodi a wap jwè pro, ge promoteur, oui, entre guillemets, ka fè promotion, musique ISO, enegran li pa pel, pa kret, li pa jene pou l'dou, will touche nan men ISO pou l'fè promotion pou ISO. Kon ISO ap travay? Ki travay ou kon ISO ap fè? Ki travay? Menuisier liye? Charpentier liye? Mason liye? On boss mason liye? On boss céramique liye? Qui ça lié? Ou avocat, ou notaire, ou comptable, ou médecin, ou infirmier, qui ça lié? Qui ça lié? Ils ont vendu de l'eau dans la rue, ils ont vendu manger? Non, kidnappeur, gros chef gang, gros bandit notoire. Mais franchement, à un certain moment de la durée, faut que nous mandions tête. Nous, qui ça nous voulait pour payer? À un certain moment, faut que nous suspendions manger de l'eau sous. Oh, Ariel a crasé pays, André Michel a crasé pays. Ose blanc kap krasé peyi a. Gade tèt ou pou un ti tan gade tèt ou non glas, gade tèt ou gade reflet ou voye a pou eske ou même nan comportement nan action ou pa participer nan krasé peyi a. Bon, mes amis, c'est un véritable plaisir pou m'te avec nous et nous konnen déjà. Mwen la pou m'chercher acteur yo, mwen la pou m'chercher moun ki gon discours yo ka pote, moun ki gon bagay yo ka partager avec nous, ki ka aider nous comprendre pi bien sa nan viv jounen jodi an comme crise en dedans pays. Rendez-vous kase demain sous même chaîne nan pour l'autre émission. M'a invité au parater émission sous aucun prétexte puisque nous là même pour nous continuer faire débat sur ça qui a plongé société hein, sous maladie, sous problème qui a brassé bien société hein, et river ensemble joindre des éléments de solution à problème si là. C'est un véritable plaisir, rendez-vous en casse demain.
À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique, et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf s'il le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, oui, chez Chanel Paula, pour qu'il y ait bien informé avec Yannick.